Bonsoir tout fanatique sport en général et son plaisir pour nous capables de retrouver sur channel ça pour une autre vidéo. Une bonne nouvelle pour Karim Benzema et Real Madrid et même pour l'équipe de France là. Victime de une fatigue et musculaire dans quadriceps jambe gauche li, attaquant madrilène saute marqué trois dernières sorties merengue et toute compétition est confondue. Bonne nouvelle, c'est que KB9 plus proche pour le faire retourner sous terrain, comme annoncé Real Madrid sur site officiel li, jeudi lundi. Avant match Ligue des Champions contre l'équipe Celtic Glasgow, Karim Benzema entraîné tout seul comme Aurélien Tchouaméni, une première étape avant qu'il retrouve coéquipier Lyo dans la séance collective. Objectif prolongation pour l'équipe Paris Saint-Germain. Au total, Paris Saint-Germain a prolongé 5 joueurs qui sont très importants pour lui. D'abord, gagne dossier Lionel Messi, club français voulait qu'il Messi après fin contrat lié en 2023. Et selon les derniers rumeurs, la Pulga a choisi l'équipe Paris Saint-Germain. Parce que selon lui-même, Paris Saint-Germain est en meilleure position que Barcelone pour remporter la Ligue des Champions. Pour Presnel et Kimpembe, Français a fait une déclaration côté le montrer des îles en de l'équipe Paris Saint-Germain pour le rété. Il dit, pour démarrer ça, c'est pas une chance tout jouer gagné. C'est en pile fierté et responsabilité. Maintenant, un club qui satisfait dans tout sens, qui bonne valeur. Expliquer défenseur dans micro et téléfoot. Gagné également discussion prolongée contrat Marco Verratti et Marquinhos. Il y a en fin de contrat dans l'été 2024 là. Mais selon le journal l'équipe, club là n'a une discussion qui plus avancée dans le dossier Marquinhos là et Marco Verratti pour être en de l'équipe Paris Saint-Germain. En plus, en porte là lui-même n'a toujours été l'ouvri pour une prolongation de contrat pour Sergio Ramos. Bien Luis Campos d'ailleurs lui-même qui était affirmé ouvertement dans l'émission radio Rotten sans flamme pour te déclarer pour que Ramos pas capable de continuer en équipe Paris Saint-Germain. Fin de saison pour Luis Suarez. Championnat uruguayen terminé et une très bonne nouvelle pour le club national puisque Luis Suarez offrit avec un club formateur 49e titre dans l'histoire. Il inscrit un doublé pour le dernier match contre l'équipe Liverpool Football Club. Côté au bat 4 goals à 1. À l'heure actuelle, El Pistolero n'a pas prolongé avec un club national. Suarez très chaud et prêt pour Coupe du Monde 2022 au Qatar. Carlo Ancelotti risquait 2 à 4 matchs de suspension. Après déclaration de défaite sous polémique qui a gagné un match Real Madrid face à l'équipe et Girona, Ancelotti était pointé directement sous arbitre. D'après lui-même, penalty qui était sifflé contre Marco Asensio, c'était un penalty inventé. Ça qui pas fait plaisir avec un comité technique là. Mercredi, comité compétition pour aller réunir pour peut-être sanctionner technicien italien, lui risquer en 2 à 4 matchs de suspension. Gagné Rafaela Pimenta, avocate et agent Paul Pogba, lui confirme que Français pour le forfait pour Coupe du Monde 2022, cap débuter le 20 novembre prochain. Après plusieurs examens médicaux qui sont réalisés week-end ça à Turin, Champion du monde là, pas disponible avec l'équipe de France là au Qatar. Un véritable coup dit pour Paul Pogba qui t'a préparé grandement pour événement ça. N'a pas souligné que N'Golo Kanté déjà annoncé forfait pour Coupe du monde là. Gain Mac Meyer aussi. Eh bien, plusieurs absences majeures pour Bléo. Alors que situation Raphaël Varane toujours préoccupante. Un véritable casse-tête pour staff et Bléo. Xavi Hernandez gagne comme priorité pour recruter un latéral droit. Selon le journal AS, dans le mercato hivernal, Barcelone pourra chercher un latéral. Gagne Hector Bellerin qui n'a pas baillé satisfaction à tel point que Xavi Hernandez qu'on préférait allier latéral gauche là qui c'est Alejandro Balde à droite, en plus Sergio Roberto qui qu'on dépanné à droite aussi. Blaugrana pourra essayer de saisir l'opportunité dans le mercato hivernal. Gagne non et Diogo Dalo qui a joué dans l'équipe Manchester United de la capacité. Gagne tout et arrière droit Villarreal n'a parlé de Juan Foyt lui-même qui également ciblé en plus de Thomas Meunier lui-même qui a besoin d'équipe Borussia Dortmund là. Sergio Ramos et Gérard Piqué présent dans prélice Espagne pour Coupe du monde là. Piqué nous connaît qui pas jouer en pile dans équipe FC Barcelone là, il est bien présent dans prélice de 55 joueurs que Luis Enrique met dehors. Mais nous connaît que c'est seulement 26 joueurs qui sont présents avec PIO pour Coupe du monde 2022. Verdict a tombé vendredi 11 novembre, n'a manqué annonce officielle a fait rapporté journal Maca. Gagne aussi présence de Sergio Ramos qui également n'a prélis ça. Équipe Arsenal pour le passer à l'action pour William et Saliba.
Après trois prêts consécutifs, Saint-Étienne, Nice et Marseille, enfin, l'y intégrer pleinement équipe Arsenal avec des performances de haut niveau. Comme révélé journal de Athletic, dirigeant anglais, yo vle blende pépiture. Yo déjà proposé une prolongation de contrat côté du rien pas filtré. N'a pas bléqué, défenseur central l'a sous contrat jusqu'en juin 2024 avec équipe Arsenal. Lucas Hernandez fait grand retour dans l'entraînement. Très bonne nouvelle pour Bayern Munich et équipe de France là. Blessé dans l'adducteur depuis 13 septembre dernier, Lucas Hernandez retourne entraîner jeudi lundi. À noter que défenseur lui-même a été incertain pour réception face à l'équipe Inter de Milan mardi dans la Ligue des Champions. Par la suite, l'a prêté trois rencontres face à l'équipe Hertha Berlin, Werder Bremen, Schalke 04 avant début mondial. Robert Lewandowski absent face à l'équipe Victoria Pilsen. C'est un match et pour l'honneur puisque on connaît Barcelone l'est déjà condamné et bien pour la jouer Europa League puisque Bayern Munich et Inter de Milan et bien ont assuré deux premières places dans le groupe C dans la Ligue et des Champions. Barcelone l'est poil et déplacé sous pelouse Victoria Pilsen dans ses poil mardi et bien pour dernière journée phase de poule dans C1 et bien pour en compte ça Xavi lui-même il pas capable de compter sur Robert Lewandowski. Selon la presse espagnole, serial buteur polonais, eh bien, il y a quelques problèmes dans Doli, ça qui poussait entraîneur espagnol, et pour le quitter lui au repos. Il y a Jules Koundé qui également t'est touché dans le match face à l'équipe Valence week-end ça, eh bien, lui-même, lui absent aussi, tout comme Eric Garcia qui blessé dans Anchli, eh bien, qui pas présent avec l'équipe et Barcelone à déplacement face à l'équipe Victoria Pilsen. Merci à tout le monde qui était avec nous dans le commencement pour arriver juste et dans la fin. Et pas oublier soit à peine rejoindre nous, n'invitez vous à abonner, liker et commenter et partager de façon capable de supporter le travail.